Bonjour, je vous fais une petite vidéo sur le déballage d'un casque de chez Shot, le Striker. Donc le modèle Raceway Orange Mint. Je fais une petite vidéo parce qu'effectivement on ne voit pas beaucoup d'infos sur ce casque. Sachant que bon, c'est une société française, le casque est probablement fabriqué en Chine. C'est dans un rapport qualité-prix quand même assez exceptionnel, un casque fabriqué en Europe dans des fibres carbone comme ça vaut dans les 500 euros. Celui-là, il est en dessous de 200 euros. Je l'ai payé 180, celui-là. Je pense que c'était assez intéressant de voir un petit peu ce qu'il vaut. Alors, je le déballe donc, livré avec une housse. Alors, j'ai pas de support pour la caméra, désolé. Ah. Donc on voit ce casque qui est quand même plutôt pas mal au niveau du design. Bon, il est assez agressif, il est dans le style qu'on voit actuellement avec une partie arrière qui permet de s'appuyer sur les colliers de protection cervicale. Une visière un peu pointue. Bon, des couleurs un peu flashy, bon, c'était pour ça que j'avais choisi. Pas mal d'aération. Sur le dessus, sur le devant. Et alors, je vais essayer de ne pas le taper par terre. Au niveau de l'intérieur, bah, la finition, c'est moyenne gamme, hein. C'est pas vraiment extraordinaire. Là, on a des petites tirettes qui donnent l'impression qu'on a un système pour les secours, pour retirer les joues, et pas du tout, elles sont clipsées normalement. Mon double D, hein, classique, heureusement. Bon, je l'ai déjà essayé, hein. Donc je sais que c'est du moyen, ça me va. Il n'a pas l'air mal du tout. On va le peser. Hop, alors, on va faire la tare. Voilà. Donc il est annoncé pour. Je l'ai mis. On va le mettre en kilo, c'est mieux. Il est annoncé pour 1181, il fait 1184. Donc on va dire qu'il nous manque pas. C'est un casque qui est relativement léger, donc carbone Kevlar et fibre de verre. Alors, je vais prendre mon AGV, donc et lui tout équipé, hein. Il a un support GoPro pour mettre aussi l'interphone. Et il a un écran, il fait 1320. Bon, c'est un casque qui est extrêmement léger à la base, puisque le modèle Cross, il est aussi autour de 1100 grammes. Ben, mon vieux JT, qui est collector, qui est pas moderne du tout au niveau fabrication, il fait 1300 grammes. 1300, bon, ce qui est quand même pas mal. Donc on a quand même un casque plutôt sympa, concurrentiel au niveau des tarifs. Bon, c'est pas du Hero Aviator, hein, c'est clair. Mais il est plutôt pas mal, il faudra que je vois ce que ça donne au roulage. En tout cas, il y a pas mal d'aération, donc ça doit être plutôt bien pour l'été. Il y a une mousse de filtre au niveau de l'avant, donc ça se démonte apparemment. Voilà. Allez!